Bon, on a Jarvan déjà, ça commence bien. Ouais, là il y avait quand même un sacré Anguilla, tu vois. Quand je vois un Zac comme ça, là j'ai. Ah, Zac, j'ai envie de clip de prendre Lilia, moi aussi. J'ai envie de lui apprendre la vie. Alors, Jarvan, bah, des runes de jungler classique, on va partir conquérir. Ouais, du classique, hein, vraiment, il n'y a pas plus classique. Hein. Vous pouvez prendre ce que vous voulez ici, c'est comme d'hab. Hein. Moi je suis de la team HP. Regardez, là on va mettre bien la team. Viens, Azir, viens là, viens prendre la ward. Il veut pas? Dis-toi, mon modo l'air-tu qui est Master 300 LP joueur de Kindred, parce que bon, c'est un champion d'Inflated, mais... Personne d'enculé, ouais. Mais non, mais en vrai, il m'a connu quand je jouais Kindred, mec. Il m'a dit, je suis pas là pour le level. Ok, oui. Mais en fait, je reviens pas qu'on est quasiment 300 sur live alors que, je suis nul. Bah, en vrai, maintenant, je suis un peu meilleur que la moitié des joueurs, quoi, mais même plus, mais... Ouais, non, mais on a compris l'idée, quoi. T'es pas... Je suis pas faker, quoi, ouais, c'est ça. Et encore que ma Lilia, tu vois, elle est... Il y a un truc. Il faut juste que t'arrives à faire taire les voix. Bon, on va les teamfight parce que... ils ont ni la Alistar Zac. J'avoue que niveau 1, bon, ils sont pas terrifiants, les mecs en face. Je suis là pour les bonnes vibes. Moi, je regarde car tu es beau. Merci, les gars, c'est gentil. Ouais, chance, on m'a jamais dit ça, moi. Bah, parce que t'as pas de cam, déjà, et t'es pas beau. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah, on aurait pu s'arrêter la première raison. Ta meuf aura de mon stream ou pas? Je pense pas, hein. Début de regarder, c'est important, il faut qu'elle revienne regarder le stream. Elle est en train de bosser ses cours gentiment là. Alors qu'est-ce qui se passe, bot? Ça gagne ou bot? Ça gagne, hein. Oui. Oh, j'ai l'assist grâce au flag. Bon, voilà, ça fait plaisir. Ça c'est vraiment la petite surprise du chef. Hop, on ping les 5 gold en plus. Hop là, on est gourmand. Là, techniquement, tu pourrais déjà gank normalement. Ouais, j'aurais pu déjà gank. Mais puisqu'on a les team invade, je vais prendre tous les camps. Alors, dive un Alistar et une Nila, c'est pas facile parce que. Bah c'est chiant leur combo. Il y a un anti-auto-attaque, il y a un double bump, parce que si Alistar joue bien il peut bump deux fois. Il a pas que le Q, il y a le Z hein, qui bump. Hop, on lui met un petit slow dans la gueule pour lui dire qu'on est là. Elle a pas dû comprendre. On va manger la potion, on va look s'il y a pas un petit gank à faire. J'ai juste peur que l'Alistar il m'emmène sous tour avec son Z quoi. Ah c'est il ça la force de Jarvan, c'est qu'en fait c'est un perso. En fait c'est un perso full gank. Où tu vas être plus c'est un des persos avec le plus de proactivité avec Rek'Sai peut-être en early game. Ouais. Ouais, ouais. Mais je pense que voilà. En vrai, si j'avais Elise, j'aurais dive bot. Et là, j'avoue que dive avec Jarvan, c'est compliqué. Bah, c'est vrai qu'Elise t'offre un free dive avec le Z et tout. Alors, est-ce qu'il a un raid? Il a un raid, il a 4 camps. Alors, à mon humble avis, il a pas fait ses loups encore. Moi, je veux juste counter gang top parce que j'ai pas envie que mon Yone il meure. On me dit, c'est pas trop team dépendante pour pouvoir carry un bas elo, Jarvan. Alors, vous pouvez jouer Jarvan full létalité. Bon après ça marche. C'est... Ouais. Moi je le jouais à l'époque où j'étais diamant 5. Donc voilà. Il est en train de back le Gnar? Non. Il perd toute la wave. Bah après c'est toi qui mets la pression non? Ouais mais j'ai red trinket sur tout le chemin quoi donc okay. Et il était méga. C'est bizarre de back sur ce timing mais nous on a un bon back, on est content. Hein. Ok. Attends elle se fout de ma gueule elle. En vrai. Merci Citals. Voilà c'est free kill. Oh, ouais, je préfère flash in, on prend pas de risque. Alors par contre, ça meurt du Zagbot, c'est dommage. Il veut que je fraise pour lui? Non, c'est bon. Merci Citals pour le prime. Après, ouais, full l'état, c'est quand même greedy parce que tu te fais OS. Mais en vrai, le champion a suffisamment de dégâts pour un V9. En fait, le truc, c'est que là, par exemple, bah ça y est, là, t'es lancé quasiment, t'as pris un kill early, c'est ce qu'il te faut quoi pour lancer le champion. C'est ça. Puis en vrai, mais, genre, je suis d'accord que c'est pas un casique ou quoi pour un V9 play game, mais quand vous êtes devant. Le perso est quand même. Enfin, il peut 1v3, 1v4 facilement si vous vous débrouillez bien quoi. Merci. Alors, ça scale moins bien, mais genre en fait, en deuxième item, tu commences direct avec 16% de CDR direct. Ok. Et là, tu peux déjà agir. Ouais, là, c'est toi qui fais les dégâts là? Ouais, c'est moi. Bon, là, du coup, on peut plus auto-attaque parce que ni la diff, mais. Ouais, mais. Donc, on met un coup de passif. T'as vu l'auto à 140? Non, mais surtout la temporisation, surtout que t'as, qui est insane. Et juste dommage, là, c'est vraiment big champion diff quoi. Il y a Nila qui empêche l'auto-attaque parce que saison 13, mais... On me demande si tu builds Gorge ou Jhin toutes les games. Oui. Sauf s'il y a vraiment énormément de tank en face, je fais Gorge couperé. Ok. Hop, on go in, on go out. Mais lui va prendre un coup de passif. Il est un peu con, lui. Tu prends le kill, non? Alors, on va juste faire gaffe à pas mourir de la capsule. Non, clairement pas. Tu laisses au Ezreal? Ok. Oui. Bon champion, ne scale pas. Ah ouais, c'est vraiment le gros défaut du champ, en vrai. Ouais. Non, vraiment. Edral, entre Abaelo. Abaelo, tu prends le kill. Oui, Abaelo, je l'aurais pris. Ça pue la merde hein, ce qui se passe au mid. On va perdre le 4v4 très violemment. Je crois qu'ils s'en rendent pas compte. En vrai, quoi que. Oh, je la pré-shot. C'est cadeau. Oh!
Ah, j'avoue que ça c'est chiant. Ça, j'avoue que c'est chiant. Tu les as enfermés. J'ai first pick. Bah, j'ai first pick, ouais, mais. Putain, en vrai, ce que tu leur mets, c'est. Hop, le combo qui touche. Et là, on va pouvoir faire les rats tranquilles. Ok. T'es en train d'avoir 9 la game en Master GM, là. Ouais. Première game de la journée, hein, parce que. J'ai dû coach quelqu'un avant. Et dès que t'as Gore Drinker Chosen, je me rends pas compte à quel point c'est illégal. Bah, là, tu vois, rien qu'au Gore Drinker, c'est pas mal illégal. Ah, ça, ils ont quoi? Ils ont augmenté quoi? Les HP Je mets les HP gratuits. C'est gratuit. Et pareil comme pour Tidebreaker. Ouais, c'est vraiment. D'habitude, il y a toujours une contrepartie, genre moins d'AD, plus cher, quelque chose. Là, c'est gratuit, il avait juste gagné 150 HP. Ce qui... Mais ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, non, mais c'est vraiment énorme. En vrai, il veut vraiment qu'on défende le Drake, ça manque Kikin. Je vais pas te mentir, ça manque Kikin, mais. Ouais, t'es obligé de jouer avec ta team. On a Jarvan, on va pas s'endormir sur les camps. Sauf que là, t'as ton ult, t'as ton Gore Drinker, t'as tout ce qu'il faut, quoi. C'est ça, je suis vraiment très très fort là. Après, on se prend une TP de Gnar. Ah, mais putain, vous en faites des dégâts. Il est mini, hein. On s'en fout, hein. On ulti. On smite. Ouah, wow, ils vont FF carrément, je pense. On n'aura pas le temps d'avoir la Shojin, je pense. Et alors là, on a plusieurs solutions parce que. Bon, on va d'abord voler les camps on du. On se rend compte que tu viens de go in 1v4 et que t'es full HP ou. Ouais, ouais, petit Gordrinker dans la gueule là. Les first pick, hein, ils ont pris que des counters, hein. On se rappelle, hein. Mais c'est parce que c'est vrai que même Nila, ça casse les couilles pour les autos. Bah oui. Et puis elle a deux dates quoi, donc elle peut sortir facilement de mon ult. Et tu le ressens en vrai le up de Gordrinker ou pas? Oui, oui, vraiment 150 HP. Alors toi. Elle a plus de dash à dire si tu veux venir fight. Voilà, comme ça. Comme ça, hop, y'a plus utile le blanc pendant une minute. Elle peut plus jouer. Mais c'est bien, elle a même mis quelques autos, elle est contente. Elle t'a enlevé genre 20 HP avec les autos. Moi je pense que le Zac est toujours dans les parages. Bah mais là il peut pas jouer en plus à l'ulti. Tu peux la dive là non en plus? Bah elle a toujours l'anti-auto-attaque quoi. Ah ouais. Ah bah tu vois. Tu avec qu'il y avait le Zac. Ouais ouais mais. T'es intuable. Hop, mais... on les combo. Ah ouais bon là par contre c'est dur. Ouais. Normalement il gagne même à l'eau. Okay. Alors en fait je crois que c'est passé une dinguerie, c'est que Zac c'est tellement heal qu'il a full heal la Nila avec le passif de Nila mais c'est fine, en vrai c'est bien qu'on donne des kills, ils vont pas FF. Contre les tanks c'est pas ouf. Bah en vrai ça va, parce que bah t'as des PV actuels et ton truc c'est un debuff d'armure. Et tu peux jouer Black Cleaver en plus, je suis con. C'est ça. Donc c'est correct, c'est pas le meilleur anti-tank, c'est pas Lilia évidemment. Lilia les tanks c'est que du bonheur, ça touche ça. Oh, le Gordrinker est pas parti. Là, j'avais un proc Gordrinker sur 3 personnes. Ouais, mais après, vous gagnez quand même. Ils t'ont tout mis, non? Oh. Oh. Ok. Si, non? Petit prince? Le roi du monde, hein? Petit prince? Ah, dommage. Oh là là, il... le Alistar, il a la bougeotte, hein? Après, oui, t'as un bon elo aussi, hein? Mais bon, tu prends un ouais, non, clairement. Après, de mourir, tu t'en fous, non? Tu prends fou la oui, bah oui. Il y a 19 kills, t'es déjà présent sur 13, mec, c'est une dinguerie. J'en peux plus de Kindred, c'est mon père à ban depuis un petit moment. Plus. Ouais, je fais que perdre mon ban Kindred aussi. Je me fais... Le champion fait mieux tout que tous les champions. Oui, c'est ça, PV actuel, PV max, PV manquant, ça tape partout, frère. En fait, je garde mon ult parce que voilà, elle a encore plein de dash. Il a pas d'ulti, Black, parce qu'il a ulti mid. Il est mort, non? Et là, on sait qu'elle a pas de dash parce qu'elle va utiliser les deux. Ok, bien joué. Il joue bien. Ça bloque les auto-attaques d'Azir quoi, c'est fou. Ou l'Azir joue bien hein. Ah l'Azir joue vraiment bien, est-ce que j'allais te dire. Les vilains pieds de H là... Ah tu fais un bon travail dans la game quand même. Ouais après... Ouais tellement de bumps pour... On est un petit peu en sous-nombre malheureusement. Oui. Oh. Il a plus de soldats. Ah oh, dommage putain. Alors ce qu'on fait après en 3 sur Jarvan... Bon c'est le game, ils ont beaucoup d'AP mais on va quand même le faire parce que... Et on a trop besoin... C'est cœur gelé en fait. Ah, cœur gelé. Là, t'as vu, okay. J'étais oum. Ok. Ah, ouais, en fait, il y a un gros manque de mana et le cœur gelé, ça te permet de caler ça. Moi, j'étais fan de Call of à l'époque, bah, j'étais même pro sur code. Quand je voulais regarder par exemple une vidéo zombie de level 12 de 2 heures, impossible. Ça prenait trop de co. Bon, sinon, tu peux jouer ou. Mais par contre, je meurs pas. Hein. Ah, les non, c'est impressionnant. Cœur, c'est impressionnant. Et un Ingenious Hunter serait pas marrant avec pour le proc de Gore Drinker justement. Alors autant prendre de la CDR en soi, parce que okay. La CDR proc sur le Gore Drinker. Ah je savais pas. C'est l'un des seuls items qui marche comme ça. Ou en gros plus t'as de CDR, moins t'as de CD sur le Gore Drinker, regarde. Ah oh, bah je savais pas, tu m'apprends un truc. Je sais pas s'il y a des gens qui l'apprennent, dites-moi dans les commentaires YouTube, mais sur le chat Twitch, dites-moi. Regarde, hop, j'ai que 9 secondes alors que c'est censé être 15 secondes. Ça marche avec la CDR de contre, base, donc autant... Tout ce que t'as pris quoi, 2-3 ultis là et t'es même pas mort, c'est... Ouais, je me suis fait tester très très longtemps. Hein. Ils ont une bonne compo de raciste parce qu'en plus...
C'est des bumps leur CC, donc la ténacité ne marche pas. Eh oui, c'est vrai. Chaussures, tu fais quoi? Tu fais ta bille Mercure ou tu fais des chaussures au CDR? Les trois sont très bien. Ok. Les trois sont vraiment très très bien. Tu Comme j'ai dit conseilles tout à quoi l'heure, dans quel cas? quand j'ai fait les runes, en fait, quand vous savez pas qu'au but, vous faites lucidité toutes les games parce que, comme j'ai dit, avoir le flash plus souvent que l'ADC en face, ça sera broken parce que, genre, si vous mettez un flash ult et qu'il flash out, bah, entre Cosmic et l'électricité, vous avez votre flash 1 minute 30 avant lui. Vous avez une fenêtre d'1 minute 30 pour jouer avant lui, quoi. Ah, ok, Oh, ouais. j'aime pas les 50-50 par contre. Oh, tu l'as, je pense. T'es le roi du monde. N'oublie pas que t'es le roi de ce monde. 10 HP. 10 HP! Mais vous gagnez le fight, de toute façon, après. Donc, Ouais, c'est pas grave, mais. la game est win, mais ouais, c'est chiant. Ça a arrêté de DPS le Nash dans mon équipe. Oh, c'est my bad. C'est my bad. C'est ok, on va ira le top pour prendre la tour. Ils ont le... Ah non, c'est bon, il En vrai, existe tu toujours fais le bug particulièrement une bonne game ou juste le champion est vraiment broken pour toi? En vrai, Les deux, en objectivement. vrai, je suis quand même fait un bon early, hein. Ouais, c'est vrai Genre que tu fais une bonne game, mais est-ce qu'avec un en autre champion? 5-0-4, un truc comme Avec ça, quel hein. champion tu aurais pu faire ça en vrai? Élise. Ouais, Elise, mais Parce que bon, après. j'aurais moins de farm. Ouais, c'est ça. Et surtout, après, t'aurais moins de ressources. Enfin, ouais. Après, bon, je pique pas Élise dans Zac. Je vais pas te mentir que c'est le plus gros counter d'Élise, donc. Yone a un Event Shroud. Oui, ça se joue, les gars. Bon, ça a été nerf, mais ça se joue, bien sûr. La difficulté, c'est de pas se précipiter en fait. C'est ça. Mais le perso est vraiment Et crack en au pied. plus, D'ailleurs, toi, il a acheté un média, y a Barluc dans le chat qui me dit c'est vrai qu'avec plus avec le drapeau, t'as free assist, quoi. Ouais, bah ça donne de la HP à tout le monde, c'est vraiment broken ça. Quand t'as des persos, là regarde, on a Yone, Azir, deux persos qui utilisent beaucoup l'attaque speed. Ah, mais t'es partout. En fait, ce que je trouve abusé, c'est que t'es vraiment partout, quoi. Je peux pas auto-attaque. Tu Vous peux pouvez mettre votre t'escape. Godrinker pendant le combo, comme ça vous pouvez escape et vous régène. Attends, vous allez pas gagner ça, quand même. Je pète mon crâne, vous allez pas gagner ça. Je teste focus. T'as un bump 3 encore? Non, enfin. Oh, Oula! dommage. Ah, ça arrive à peine, à peine. Il nous faisait la game de l'année, puis il a fallu qu'il vomisse partout. Mais, enfin. Ah, là, tu vois, là, j'ai fait un très, 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 très bon fight pour le coup. Le triple bump à la fin, il est masterclass. Et la CDR te permet de faire drapeau, bump, en fait, H24. Et je veux Q trois fois sur le même drapeau, c'est vraiment broken. Hein. C'est Ah, en toujours vrai, le même c'est fou. drapeau là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais c'est une folie. Hop, c'est toujours le même drapeau. Trois fois le. 3 kills sur le même drapeau. Et j'ai que 66%. Hein. Mais cet item là est trop OP ce patch. Jouez-le, je vous en conjure. Mais bref, c'est pas le sujet. Oui, Shojin sur Jayce, c'est très bien. Shojin sur tout le monde, c'est très bien quasiment. Nouveau passe 5 N5. J'aime bien ça. Là, elle peut pas dash. Ah putain, c'est vrai qu'il peut dash sur les alliés. Chier ce champion Moi je suis quoi. choqué de tout ce que tu t'as. Après le Azir fait un gros travail et en fait le Azir comble ton travail en plus. Mais ah oh, voilà c'est chaud quand même. Bon, là, il vient de se suicider à mort. Hein. Là c'est. Oh le Gordrinker! What? Non mais frère c'est une dinguerie. T'as fait un Gordrinker, t'étais full HP. C'est normal ça ou pas? J'ai vraiment fait un fight de gros taré par contre. Mais oui. Ah, j'ai combo trop tôt, il va juste jump out du coup. On va le smite pour avoir la move speed parce que de toute façon, bah t'as beau jump. Moi en fait j'ai pas de CD sur mon combo mec donc. Non, Il en vrai là le met une auto champion sur est. chaque. Voilà. Donc tu vois c'est important vraiment de bien jouer avec le passif qui est les PV actuels. C'est pas PV manquant, c'est pas PV max, c'est actuel. Le Pour ça que Gordrinker que t'as d'abord. mis était illégal. Là c'était. J'avoue que c'était bien bien illégal là. Et le combo sur 5 était pas mal. Le 5-man Godrinker combo là, Miam. Ah la game est bonne hein. Là, tous tes champions sont up, là, tu vas faire que du. Là, je sens que tu vas faire que du Elise Jarvan toute la game. Ok oui. En vrai, j'ai compté de spam Talia un minimum quand même. Si les games où je dois jouer Talia, je jouerai Talia, mais. Parce que là par exemple, tu vois, c'est une game Talia de malade. Parce qu'ils ont pris que des dashs. Bah du coup, là Talia c'était OP, mais. Après, le Mais je Jarvan, il peux a pas l'air le pas mal savoir. quand même. Ouais. Quel est Dans le combien de temps Bruiser? il était? Bientôt, on espère bientôt le gold. Hein. Allez, Brad, bientôt le gold. Ouais, on sort bientôt du gold, l'équipe. On va faire 2-3 camps en plus. J'encule la tempo, mais j'ai envie d'avoir mon item. Quel jungler peut faire ce que fait Jarvan actuellement en late game en plus? En vrai, j'aurais envie de te dire Rell, peut-être. À la limite. Ouais, mais Mais personne ne jouerait. On vraiment à est la limite, les quoi. deux Et il n'y a seuls pas les cons à dégâts. jouer. Et ouais, le Rell c'est vraiment très team dépendant parce que t'as pas de dégâts quoi. Là, ouais, c'est ça la différence. C'est que Yorah là, il t'as me des dit baignants. Belvette. Ouais, mais pas aussi facilement. Encore une fois, en fait, Belvette, ouais, ok. Mais pas aussi facilement. Nocturne fait jamais ça, les gars. Nocturne là, il Après, fait je. le. Nocturne fait le go-in qu'il a fait, il est mort le Nocturne. Mais Nocturne, ça ne sert à rien. Enfin, le champion est fort. Je vais pas dire Nocturne, ça sert à rien, mais. En late game, c'est vraiment genre. Un perso gluant, genre.
Juste tu fais tout noir et c'est tout, parce que t'as même plus les dégâts pour tuer des gens quoi. Plus tard je tente la tour hein, si jamais. Je suis languide de voir tout ce que t'as tanké en vrai, par curiosité. Même mon score de contrôle de full, je sais pas, j'ai mis combien de CC dans la game, mais ça devait être pas mal. J'ai heal, ouais j'ai heal 2600 au Gore Drinker. Pas mal. Ouais, mais Usain me dit pareil, Usain me dit que Jakat est clairement le meilleur jungler. Ouais, ouais, c'est vraiment le meilleur jungler, les gars. Là, pour le coup, honnêtement, y a rien de meilleur que J4 actuellement. No joke. Là, ouais. Là, c'est pas du clickbait, c'est rien. Vraiment, le perso, dites-vous, le patch d'avant, Agurine est monté rank 1 en Corée en 9 jours avec que Jarvan. Et là, ses items se sont fait buff. Donc, il est vraiment au top du top. Moi, c'est toi qui fais la vidéo, pense à t'abonner aussi, BG. Viens nous rejoindre sur Twitter.